Il va en revanche falloir faire attention à un bug désagréable découvert cette nuit. Le souci n'affecte apparemment que les chasseurs de démons. Si vous échangez votre bouclier que vous avez équipé avec le Templier que vous pouvez recruter après avoir sauvé, le jeu vous déconnecte avec une belle erreur 3006 et il est impossible de se reconnecter. Non, ça c'est pas mon cas, putain, raison. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ouais. Un truc de fou, ouais. Non, la bêta ça te suffira, je pense. T'auras peut-être juste un petit patch, mais si t'as fait la bêta, t'auras. Par contre, moi, si je te prends le jeu, il va falloir que tu lances le téléchargement. Genre, là, tu vas pouvoir aller jusqu'au level 13 ce soir tranquille, et cette nuit, tu lances le téléchargement, et comme ça, demain, t'auras tout le jeu complet. Et c'est 59 €, hein. Je sais pas combien c'est par Battle.net, mais 60 €, ouais. 60 €, c'est plus cher? Ouais, 59 € et 99 centimes, hein, un truc comme ça. Non, non, j'ai payé 59 € tout rond. Le dématérialisé qui vaut plus cher que la boîte de jeu maintenant, super. Capitalisme, mes amis. Ah, j'écrase le serpent, tiens. Qu'il est. C'est avec répugnance que j'écris ces lignes sur les sept seigneurs des enfers, car ils sont les plus grands des démons, et le simple fait de murmurer leur nom semble empoisonner l'air que je respire. Ils sont répartis en deux rangs. Les démons inférieurs, Bélial, Asmodan, Duriel et Andariel, et les démons primordiaux, Mephisto, Baal et Diablo. Capitaine de la garde, vous êtes sommé par la présente de détacher un contingent de vos hommes les plus loyaux afin de sécuriser le périmètre de l'avant-poste de Cassé. Le contrôle de la ville ne tient plus que par un fil. Les habitants commencent à s'agiter et il est impératif de les maintenir dans le rang. Soyons vigilants, car un étranger... Si vous cherchez un endroit où camper en attendant qu'il nous ouvre les portes, il y a de la place dans nos caves. La garde impériale veille sur nous. Ouvrez les portes. Je dois aller à Alcarnus. Mais vous êtes fou! Enfin, si vous avez l'intention de courir aveuglément à la mort, allez parler au capitaine David, au poste de commandement. C'est lui qui a la clé. Ouais, une sale voix, celui-là. Te voilà, qui m'est livré en sacrifice! Tu m'es offert par le seigneur Bélial. C'est toi qui es sacrifié. Il t'a envoyé ici comme appât. Non! Non!